Mon histoire, c'est l'histoire qui est un peu triste depuis mon enfance. Moi, je suis née comme une personne trans depuis naissance, mais tout le monde essaie de me dire que non, je suis un garçon, même si j'ai toujours senti que je suis une fille. Mais ce n'est pas juste primaire, c'est quand après accouchement que je sens fille, mais c'est à peu près quand je vais vers 7 ans, 9 ans. Ça, c'est le moment où je m'identifiais socialement et politiquement en tant qu'une fille comme d'autres. Et je pense que c'est injuste parce qu'à cet âge-là, à 7 ans, 9 ans, j'ai senti que c'est injuste vraiment et très violent en tant qu'une petite, d'être punie aussi parce qu'ils ne respectent pas mon identité, parce que je suis la personne que je suis une fille. Je suis dans le monde qui est très violent à partir de ma famille, qui est une famille de la classe moyenne inférieure. Et dans ma famille, on vit très mal financièrement et on sacrifie pas trop pour mon identité parce qu'on pense que c'est quelque chose de secondaire. Il y a encore d'autres problèmes qu'on subit ensemble, particulièrement. Pour le problème financier, par exemple. Et puis, je vis comme une petite fille trans qui vit comme ça, qui n'a pas quelque chose de luxe, qui peut ajouter la valeur de ma vie chez vous, la comparaison avec d'autres personnes trans qui sont déjà dans la société, les gens qui passent devant moi dans la même école, dans la même rue. Ceux et celles qui ont plus de chance que moi. Et je vis comme ça et heureusement que au moins je suis pas trop déprimée. J'essaie de dire qu'un jour j'arriverai de me faire belle, de faire quelque chose pour dire que je suis fière d'être une fille, même si je dois attendre. Ça, c'est ce qui est toujours dans ma pensée. Et je vis avec la famille comme ça, qui s'en fout de mon identité, qui essaie de me faire conformer à la société. Et pour expliquer comment il y a la position sociale de ma famille, mon père, il est policier, mais c'est pas un policier comme de grande position. C'est comme à peu près, si on dit, c'est comme un sergent, mais un petit peu plus supérieur, je sais pas le mot exact. Et il vit comme ça, avec le salaire de maître. Et ma mère est la professeure à l'école maternelle. Et c'est pour ça que comme elle tient le rôle de la professeure, elle essaie de me dire toujours qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je ne devrais pas faire depuis enfance. Et je subis beaucoup parce que je pense que c'est plutôt ma mère qui est très autoritaire, qui essaie de me cadrer, d'essayer de me forcer de couper les cheveux parce que moi je veux pas. Par exemple, les écoles en Thaïlande, on nous force toujours couper les cheveux très courts pour les garçons parce qu'ils ne croient pas qu'on peut être une personne trans, qu'il y a la diversité de l'identité de personne. Ils pensent qu'il faut être homme-femme, entre guillemets, biologique. Et donc, j'étais toujours forcée à couper les cheveux. Et au lieu que ma famille devrait me soutenir d'être personne que je veux, contester contre ce genre de règles qui n'est pas juste pour une personne trans, ma famille a soutenu plutôt le pouvoir de l'école, c'est le pouvoir de l'État transphobe, de me forcer à couper les cheveux. Et j'ai pleuré, j'étais punie par comme le bâton, ma mère qui m'a frappée avec le bâton, parfois devant le salon de coiffure, parce que j'ai toujours fait la crise à chaque fois. Normalement, c'est une fois par mois, parce qu'il y aura le contrôle de la coupe. Et voilà, c'est terrible pour moi, mon enfance, même si on croit qu'en Thaïlande, c'est très bien, mais dans la famille, c'est toujours difficile. Et de la part de l'école, c'est aussi dingue, parce que même à l'époque, il y a plus de 15 ans. Aujourd'hui, j'ai 24 ans et j'aurai 25 à la fin de cette année. Et c'est-à-dire que quand j'étais à l'école, par exemple, depuis l'école maternelle, peut-être quand j'avais 7 ans, ça va faire déjà combien d'années? 13 ans, par exemple.
Et la société thaïlandaise qui était à ce moment-là, était encore la société très conservatrice, même aujourd'hui ça reste conservatrice, mais à l'époque-là, c'est encore plus difficile pour moi. Et ça a évolué un peu avec le temps, avec beaucoup de choses, la montée de la mode américaine ou la mode mondialisée. Mais à mon époque, là, en tant qu'une nana trans, qui est née à Bangkok, dans une capitale, mais qui vit très précairement, moi je pense que ma vie n'est pas très difficile, n'est pas très facile. Et puis j'ai grandi dans l'école qui est pour les garçons depuis école maternelle, c'est un peu pareil. C'est comme il y a la classe que pour les garçons, la classe pour les filles, il y a comme la barrière dans la même école. Mais enfin c'est une école mixte mais enfin dedans il y a la catégorie et je sais pas, la chance de trouver les filles, les nanas de l'autre côté, et c'est très genré. Et pour l'école comment dire, élémentaire, c'est ça, élémentaire, et tout ce que la femme avant que je passe au collège, c'était aussi l'école pour les garçons. Ça, c'est, il y a aucune fille, les élèves filles dans la même école, mais je m'aperçois toujours qu'il y a identité féminine en moi, parce que même si je ne suis pas dans la même école que les filles, mais je regarde la télé, je regarde aussi les gens dans la rue, je regarde toutes les personnes qui sont entourées de moi. Je vois qu'il y a la notion de l'homme, de femme, tout ça, comme tous les mots, mais l'identité masculine ne me convient pas, et je sens jamais que je suis masculine ou je suis un garçon. Et voilà, je suis dans l'école de garçons comme ça depuis l'école maternelle jusqu'à la fin de l'école élémentaire, et ça fait 6 plus 3, 9 ans. Et puis je passe dans le collège. Quand je passais dans le collège, ça s'est bien passé avec les comics, parce que j'ai essayé de changer un peu. Je veux être dans une école à côté de chez moi, qui est école de l'État, parce que quand j'étais là avec l'ancienne école, c'était école privée, mais c'est pas école très privilégiée, comment dire, prestigieuse, et c'est pas très privilégié. C'est une école privée un peu normale, parce que ma mère a travaillé dans cette école, c'est pour ça. Mais on a toujours problème de ne pas pouvoir payer le frais d'inscription parfois. Et voilà, donc la nouvelle école, c'est école mixte, et j'ai eu l'impression que oui, j'ai pu me socialiser plus facilement, et j'ai senti vraiment qu'il y a quelque chose qui me confirme que voilà, je suis comme les filles. J'ai toujours eu que les amis femmes, c'est les amis qui sont proches de mon groupe, mais il y a aussi les amis sommes, mais c'est pas les amis qui sont dans le même groupe, c'est que les collègues. Mais je suis toujours avec les amis femmes, et on m'ont soutenu beaucoup. J'ai vu la différence que, comment dire, le harcèlement, tout ça qui m'attaquait depuis très longtemps, mais depuis âge que je fais coming out de 9 ans, il y a que les garçons, les mecs hétéros, 6 qui m'ont attaqué, qui m'ont insulté. Et le truc de, c'est un peu comme le viol, c'est très traumatisé, il essaie de tirer à mon pantalon, voilà. C'est terrible. Et une fois, désolé de la raconter un peu comme ça. Et une fois, j'ai pleuré parce que j'étais vraiment en colère. Ils ont essayé de tirer, de me dénuder, déshabiller. Ça, c'était où à l'école? À l'école, pour les garçons, les amis, quand je fais comme ça, ils veulent me taquiner parce qu'ils pensent que je suis différente. Et puis, j'ai pleuré après. Ils m'ont déjà terminé à me taquiner. Et puis je suis allée voir la professeure de ma classe pour dire que les garçons, là, ils m'ont tiré les pantalons. Et au lieu de les punir, les garçons, là, la prof m'a frappé aussi avec le bâton, parce qu'elle m'a dit que, parce que je me comportais comme ça, c'est pour ça. Et voilà, j'ai retenu tout, que voilà, en tant qu'une fille comme ça, on n'a aucun droit, même si c'est pas la question, comme la conscience comme les ados aujourd'hui, que les droits
comme ce qu'on revendique aussi, mais à l'époque, je pensais aussi que oui, je n'ai aucun droit de me plaindre, de réclamer tout ça. Et puis, voilà, j'ai gardé toutes ces colères avec ma famille, avec l'école, avec les collègues transphobes, en moi, dans son corps, dans la tête d'une petite fille, là, et c'est difficile. Et je dois garder la colère, essayer de m'organiser un peu, de pouvoir survivre. Et puis, dans l'école, voilà, dans le collège, c'est plutôt mieux parce que les amis femmes, filles, elles m'ont très très bien soutenu. Il y a une qui est très proche de moi, on habitait pas très loin de chacune et on faisait le vélo ensemble. Je suis allée chercher et cacher les vêtements femmes, l'apéro, essayer de trouver tout ça ensemble. Elle m'a expliqué, ah oui, comment habiller et tout comme ça. C'est très sympa. Et voilà, c'est la première fois dans ma vie de voir les amis, filles très très proches et qui m'ont soutenu. Et elle vient aussi de familles très précaires. Je vois aussi que la différence entre les cours privés et les cours de l'État, c'est toujours différent. Parce que comme ma copine là, elle habite dans une grande maison. Mais elle nous a dit toujours que comme sa famille, sa mère et comment dire, comme les natifs en anglais, comme les cousins ou cousines de cette famille dans la grande maison. Mais enfin, comme je savais déjà que en fait, ma copine avec sa mère, elle habitait dans une petite pièce de la maison, comme la chambre de bonne. Et on comprenait bien que oui, sa mère, elle travaille comme la travailleuse domestique, mais avec la honte, avec la stigmatisation de la société, elle n'arrive pas à dire ça et on comprend un peu que la notion de la précarité, une personne minorisée qui peut se remettre ensemble pour vivre heureusement parce que au moins on sait qu'on est aussi stigmatisé de certaines manières. Et voilà, j'ai aucune honte d'être avec elle, d'être avec sa mère qui est très clair que c'est une personne qui ne vient pas de Bangkok, qui vient de la région très rurale pour travailler dans cette ville. Et voilà, on habitait, c'est pas on habitait ensemble, mais on vivait ensemble en tant que fille. Et jusque la fin de collège, tout s'est bien passé avec le collège, avec les amis, mais pour l'école, c'est toujours très punitif, très strict au terme de la coupe, au terme de habillement, l'uniforme qui est toujours garçon, tout ça. Et voilà, j'étais toujours en uniforme masculine. Il n'y a pas de choix et c'était difficile. Mais enfin, quand j'étais avec les filles, ça me fait du bien. Mais je suis toujours comment dire, attirée par les sommes hétéros, même si j'aime bien habiter. Vivre avec les filles, mais je sens toujours comme je suis toujours hétéro et elles sont comme les camarades, les amis qui est très très solidaire avec moi. Et pour les profs, c'est meilleur, mais c'est parce que à l'école en Thaïlande, il y a la catégorisation. Quand j'étais dans cette école-là, il y a toujours comment dire, le concours. On doit passer déjà le concours pour entrer dans cette école, mais quand on est déjà admise, il faut être aussi passé à un autre concours qui va catégoriser les notes. C'est-à-dire que je dois passer encore les examens et puis ils vont tirer les notes. Et les meilleurs seront mis dans la première classe qui s'appelle la classe du roi. Et deuxième classe, c'est la classe de la reine. Et voilà, c'est vraiment comme ça, très hiérarchique. Et dernière classe, c'est septième. Aujourd'hui, l'école a augmenté la capacité d'accueil d'étudiants, mais quand je vais ensemble et tout comme ça, quand j'étais là-bas, il y avait sept classes. Et la dernière, c'est la classe qui est très, très stigmatisée. Même les profs ont dit que non, on n'aime pas enseigner les enfants de cette classe. Et on est content d'enseigner les enfants de première et deuxième classe parce qu'ils sont dociles, entre guillemets. Et voilà, dans première classe, c'est les classes scientifiques. C'est-à-dire ils me forçaient d'étudier, apprendre la science et mathématiques. Et je déteste vraiment. Je déteste beaucoup. Mais le truc est que quand
J'étais mise dans la première classe. Il y a le privilège un peu parce que les profs vont nous traiter comme quelque chose, quelqu'un du bien, blablabla. Et puis, j'ai pu profiter de fait d'être dans cette classe, de faire un peu de caprice contre le système. Un peu comme, ouais, il y a les profs qui m'aiment bien et donc j'étais proche avec eux pour que je peux m'enfuir quand il y a le contrôle. Toi, tu étais dans la première classe? Oui, c'est la première année. La classe du roi? C'est ça, la classe scientifique du roi. Voilà. Oh là là, c'est là. Aujourd'hui, ça reste toujours comme ça dans beaucoup d'écoles. La plupart de l'école en Thaïlande, ils classifient les enfants comme ça. Il y a même les. Pour mon école, comme ce n'est pas une école très privilégiée et très prestigieuse, on n'a pas la classe. Normalement, en Thaïlande, il y a certaines écoles très très grandes qui ont la classe English Program. English Program est dedans, tu payes encore plus. Tu n'as pas besoin de passer trop de concours, mais il faut avoir d'argent quand même pour pouvoir se mettre dedans. Et là-bas, tu seras très privilégié. Ils vont venir t'aider, blablabla, donner le cours de meilleure façon. Mais ça, c'est les gens qui ont l'argent. Mais les gens qui sont dans le système de méritocratie, les profs vont nous traiter comme les gens qui méritent. Ce n'est pas tout simplement qu'on a l'argent, mais il faut être dans le système un peu. Essayer de travailler bien, blablabla. Et je n'ai pas la science et tout comme ça, et c'est pas ça. Mais au moins, j'ai le bon soutien de la prof, des profs, particulièrement les profs de la classe anglaise, parce que j'étais une bonne élève en anglais. Et puis, j'ai passé en deuxième classe, en deuxième année de collège, parce que j'étais très nulle en scientifique et mes notes ont chuté. Et puis, j'étais dans la très bonne classe, la deuxième, parce que c'est la classe de la langue, c'est-à-dire que la spécialité de cette classe est la langue thaïlandaise et anglaise. Et ça me convient très bien. Et toutes les profs qui s'occupent de notre classe m'aiment bien. Et voilà, j'ai profité de cette fête d'avoir le soutien contre le pouvoir administratif punitif de l'école. Et voilà, quand je termine ce collège, je suis passée au lycée, j'ai passé dans le concours et j'étais acceptée par le concours dans une grande école, très ancienne école, à Bangkok, au centre de Bangkok, qui est un peu très loin de chez moi. Et là-bas, c'est aussi école de casse que pour les garçons, mais c'est très, comme on est très connu historiquement. Et il y a aussi la communauté trans, parce que les amis trans que je connais depuis l'école élémentaire ont été déjà dans cette école. Et c'est pour ça que je choisis cette école aussi, parce que j'ai vu qu'il y a la communauté trans qui est assez forte, qui peut nous soutenir, même s'il n'y a pas les amis femmes, tout ça. Et aussi, l'autre point, pourquoi les femmes trans, les filles trans en Thaïlande aiment bien aller au lycée où il n'y a que les garçons. Première chose, parfois, c'est les trucs pas de choix, parce que la famille veut qu'on soit masculinisé et ils nous envoient dans les cours de garçons. Mais un autre choix pour nous personnels, c'est comme on dit aux parents, oui, on aime bien être dans cette école parce qu'il y a beaucoup de garçons. Parce qu'on aime bien les garçons, c'est pour ça que c'est aussi une chance de pouvoir trouver les petits copains. C'est ça, c'est bien aussi qu'il y a beaucoup d'amis trans qui sont dedans, qui sont forcés ou qui sont là volontairement. Et c'est un lieu très festif, très amical, très solidaire, parce que dedans, dans ce type de l'école, c'est un peu similaire. C'est presque la même fonction que les autres écoles pour les garçons en Thaïlande, particulièrement à Bangkok. C'est-à-dire que les écoles, le lycée pour les garçons, il y a les groupes, les seniors, tout ça, qui sont déjà dans cette école et qui peuvent nous donner les conseils comment prendre les hormones ou acheter, par exemple. Mais malgré cette solidarité de conseils, tout ça, il y a toujours la violence parce que on est dedans là, on est la communauté qui essaie d'exister, mais notre existence, c'est comme on tient le modèle autoritaire dans notre communauté, c'est-à-dire on apporte ce modèle pour qu'on excite, pour qu'on puisse exciter comme d'autres,
C'est-à-dire que quand j'étais là dans la première année de l'UNICEF, il faut toujours respecter les amis trans qui sont plus âgés que nous, qui sont déjà dans la deuxième ou troisième année. Il ne faut pas qu'on s'engueule avec eux parce qu'on n'a pas le droit. On est très petit selon eux. Il y a toujours les mamas sans, les amis trans les plus âgés, les plus respectés. Il y a la hiérarchie comme ça. Et parfois, il y a comme un appel à la réunion. Ça, c'est difficile parce que si tu te comportes bien selon aux yeux des amis supérieurs, ok, on n'aura pas de problème. Si on veut transgresser, on veut faire ce qu'on veut, on s'en fout de la hiérarchie, de seniorité. Dans cette réunion, on peut être puni par les amis supérieurs. C'est-à-dire que les âgés, les femmes trans âgées dans le même lycée peuvent nous frapper au visage. Et j'ai déjà peur aussi parce qu'une fois j'étais là-dedans. Et c'est comme s'il y a quelqu'un qui a le problème avec les amis supérieurs, ils vont convoquer cette personne, se mettre sur la chaise et puis. Si cette personne a beaucoup de problèmes et beaucoup de monde, c'est comme une personne va venir frapper et passe, et l'autre qui vient et frapper comme ça, comme fait l'accueil pour la frapper. Et c'était violent. Et heureusement que ma génération, pour mon année, les amis trans de mon année, ils n'aiment pas trop ce système et on voit quand même qu'on vit trop. Donc cette violence, et si on a le choix, on ne va pas faire pareil. Et heureusement, et voilà, je vivais dans ce genre de société. Et dans cette école, j'ai choisi le parcours allemand. Et voilà, j'étais une très bonne élève. Et ça aussi, un privilège qui m'a aidé aussi beaucoup de pouvoir résister un peu. Mais ce n'est pas tout le monde qui a ces chances et c'est le système très corrompu hein, parce qu'il n'y a que les gens qui ont plus de chances, qui sont les plus privilégiés, qui peuvent venir à cette place. Soit tu es très privilégié de ta famille ou soit tu es très, tu travailles beaucoup pour arriver là, pour y arriver. Et voilà, j'ai terminé mon lycée, j'ai passé au concours spécial pour passer à la fac. Et je ne sais pas si c'est là où vous voulez que je continue. Très bien, c'est très bien. Si vous voulez, vous pouvez me dire. Oui, non, c'est pas intéressant. D'accord. Et pour aller à la fac en Thaïlande, c'est quelque chose qui est comme aux États-Unis. Je pense que les Français ne peuvent pas imaginer comment on vit comme ça depuis très longtemps, plus de 20, 30, 40 ans. Même mes soeurs, j'ai oublié de dire que j'ai deux soeurs et je suis la plus petite. Et mes de ceux qui sont les plus âgés, ils ont aussi passé la même expérience, c'est-à-dire qu'ils ont subi le système d'admission très strict. Il faut que tout le monde passe au concours. C'est plus dur que bac parce que ça signifie ton futur, ton avenir. Si tu as la très mauvaise note de bac, tu n'as plus de chance d'aller dans la fac la plus privilégiée. Et la plus prestigieuse, toujours la sélection depuis petite. Et la sélection la plus dure, c'est le moment de la transition entre le lycée et la fac. Et voilà, mais ceux aussi, ils sont chiants comme mes parents. Ils m'insultaient, ils m'ont méprisé que je terminerai dans la rue et je vais finir comme ça. Ils sont toujours la hiérarchie dans la tête qu'il y a les femmes trans qui sont échouées dans la vie et ça c'est comme la plupart de femmes trans qu'ils aperçoivent et ils me traitaient comme ça que je vais échouer tout ça et ça m'a aussi pressé de devoir prouver aussi plus difficile que d'autres que je dois réussir et même si je sais que ce genre de système de la réussite, de la section, c'est pas la meilleure façon de résoudre ce problème parce que tout le monde mérite d'être accepté. C'est pas qu'on doit être la personne qui réussit le plus pour être accepté, mais on n'a pas le choix à ce moment-là, même si on reconnaît le problème de ce système
dans de la pensée et de la société. Et puis, j'ai passé au concours d'admission d'une fac. C'est la fac la plus traditionnelle, la plus ancienne, qui s'appelle Chulalongkorn. Et cette université a été fondée par le roi. C'est considéré comme première université de l'histoire de Thaïlande. Et c'est les rois de Thaïlande, deux rois qui ont initié à la création de cette université. Et donc cette université est la plus financière, la plus connue, et tout le monde qui aime avoir le meilleur avenir veut juste aller à cette université. Et donc il faut passer au concours qui est le plus dur. Et normalement en Thaïlande, il y a le concours d'admission directe et d'admission générale. C'est-à-dire que pour le concours d'admission directe, il y aura déjà, par exemple, 7 places, 5 places réservées aux élèves qui ont les meilleurs résultats de l'examen spécial organisé par la fac, ou parfois c'est l'éducation nationale qui organise certains concours pour l'admission pour les cas. Et aussi l'admission générale, c'est pour les cas des gens qui n'ont pas réussi à trouver la place dans le concours d'admission directe, parce que la place là c'est très limité. Parfois il y a 100 soit 1000 et 900 places qui sont les places restantes seront bousculées au concours d'admission générale. Et concours général, c'est le concours le plus dur parce que c'est la plupart des étudiants qui doivent passer par là. Mais moi, je suis passée au concours direct et puis j'étais admise pour le programme de la faculté de l'éducation dans cette université. Et j'étais acceptée comme ça et j'étais tranquille. Et en même temps, j'ai déjà vu qu'il faut quand même que j'accepte d'être dans l'uniforme masculin pour que je puisse continuer les études là-bas. Et c'est difficile parce que dans cette université, comme ils tiennent la valeur la plus conservatrice, ils pensent qu'il n'y a que de sexe biologique. Ils sentent toujours que la notion de sexe, jamais du genre, l'identité du genre, la fluidité de l'identité, pour eux, ça n'existe pas. C'est comme nous sommes quelque chose de bizarre, étrange, comme les Thaïlandais nous appellent les LGBT, même les personnes trans, comme le troisième sexe, parce que nous sommes quelque chose de bizarre. Pour eux, c'est comme quelque chose de reste de la société. Et donc, ils nous sont mis dans le troisième genre. Pour tout le monde, pour les personnes trans, gays, lesbiennes, tout ça, on n'a pas notre propre identification parce que la société nous a déjà nommé notre identité, tout ça. Et aussi pour les femmes trans, ils nous appellent comme la femme de deuxième catégorie, c'est-à-dire qu'on est ou la femme de deuxième place. Comme la première catégorie, c'est la femme bio, qu'on appelle ça en France, et deuxième, c'est la femme trans. Et voilà, j'étais dans cette université pendant un an avec la pression, avec la répression aussi, sociale, politique, parce que là-bas, j'étais avec cheveux longs, parce que ça poussait après le lycée. On a le droit de garder ou faire pousser les cheveux. Mais quand même si on peut avoir les cheveux longs à cette université, mais on est toujours obligé à porter l'uniforme garçon avec cravate, comme ce qu'on a vu dans le spectacle. Ça c'est... mais je vais essayer de pousser un peu, mais toujours en cravate, pantalon, et c'est chiant. Et quand il y a une fois que j'ai résisté et j'ai porté l'uniforme pour les femmes, et puis il y a les amis signards qui sont... Ils ne sont pas les amis, mais c'est comme les collègues, les autres étudiants qui sont dans les autres années, qui sont plus âgés que nous, qui viennent me sanctionner socialement. C'est-à-dire qu'ils m'ont entouré de moi pour me bloquer, pour que je ne bouge pas, que je ne me déplace pas ailleurs. Et ils m'ont insulté ensemble que pourquoi je me comportais comme ça, c'est contre la valeur de l'université. J'étais en train de dégrader la réputation de la fac.
Et voilà, j'ai dit que non, j'ai le droit, blablabla, mais ils n'écoutent pas. Et ils m'ont dit qu'il faut que il fallait que je reste sur la table, dans la cantine, ne bouge pas. Et puis, à certaines appels, on a essayé de convoquer la prof personnelle. C'est comme, donc, à la fin, en Thaïlande, c'est comme chaque étudiant a une prof responsable. Normalement, c'est là où le prof qui est du même domaine que nous, du même département, par exemple. Et ils ont convoqué cette prof. Et cette prof-là est venue me voir me parler pour que je fasse comme ça. J'expliquais que j'ai les droits, il faut respecter. C'est aussi les droits humains, le fait de s'habiller comme je veux. Mais ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux, l'égalité. L'égalité, tout ça, c'est le truc de n'importe quoi. Il a dit que même les doigts ne sont pas pareils. Les doigts sont gros, petits, blablabla. Pourquoi je veux avoir les mêmes doigts de même longueur, par exemple. Et ça m'énervait, mais cette situation ne me favorise jamais. Et donc, j'ai décidé aussi de changer la fac à la fin de cette année, quand je valide ma première année. Mais en même temps, en tant que minorisée dans cette fac, j'ai trouvé les autres aussi qui sont les minoritaires comme moi, mais plutôt les minoritaires politiques. C'est-à-dire qu'il y a le groupe des étudiants qui sont les gens qui s'engagent dans la politique, critique politique contre le système, par exemple, contre la monarchie, contre le crime de lèse-majesté et pour la liberté d'expression, pour la liberté de déshabillement, et ils sont tous contre le système de seniorité, parce qu'à la fac de Thaïlande, particulièrement pour ma fac, on a la valeur la plus importante pour la société étudiante, c'est-à-dire que comment dire, ça s'appelle SOTAS, c'est-à-dire première SOTAS, c'est seniorité, O c'est autre, et T tradition, T U unité, et esprit, c'est esprit. Et ces cinq valeurs, c'est les valeurs importantes de la vie étudiante. Dans presque toutes les universités, il y a toujours ce système. Mais à ma fac, c'est la fac la plus ancienne, elle porte vraiment cette valeur, elle prend au sérieux. Et donc, je ne peux pas vivre comme ça, parce que dans ma faculté de l'éducation, qui produit les profs, mais c'est les profs qui pensent qu'il faut qu'on fait les élèves de même manière, comme les robots. C'est pas les profs qui font penser les étudiants. C'est-à-dire qu'on produit que les étudiants qui se conforment, qui sont dociles. On pense pas que les étudiants ou les élèves peuvent penser par eux ou eux-mêmes. Et ça, c'est ce qu'ils veulent que je sois comme prof. Comme une prof qui est très autoritaire, tout ça. Et j'ai déjà vu que ça ne marche pas. Et cinquième année, normalement, on fait la licence de 4 ans. Mais pour la fac de prof, on fait 5. Et cinquième année, normalement, on doit comment dire, aller à l'école, faire un thème. Voilà, pour être la prof dans l'école pendant un an. Mais il y a toujours les autres personnes trans qui passaient à cette étape-là et qui sont toujours forcées à habiller comme les profs garçons. Et moi, je ne supporte plus. Et donc, j'ai démissionné après la fin de première année et je me suis réorientée à une autre fac qui est la plus libérale de la Thaïlande. Parce que cette fac-là, c'est la fac qui a été créée après la révolution contre le régime de la monarchie absolue. Et cette fac-là a apporté la valeur de la Révolution française, même la chanson La Marseillaise comme la mélodie, même si les paroles ne sont pas pareilles, mais on a utilisé La Marseillaise comme chanson de la fac, par exemple. C'est un peu étonnant parce que les autres étudiants ne se rendent pas compte du fait de trucs très nationalistes, mais quand même nationalistes révolutionnaires. En France, c'est la perception des Français que oui, la Marseillaise. Mais moi, je me supporte plus de chanter ça parce que c'est trop nationaliste. Mais à cette époque-là, 1932, après 1932, peut-être à 1934, on a créé cette fac avec
c'est comme les gens qui sont les révolutionnaires qui sont venus en Thaïlande, c'est les Thaïlandais qui ont été éduqués en France et en Europe. Et pour eux, c'est la valeur déjà très progressiste. La révolution française, c'est très gauchiste à l'époque là-bas. Et ils ont apporté ce genre de trucs dans notre université pour promouvoir la valeur de la liberté, égalité, par exemple, fraternité. Même si aujourd'hui, la fac a été transformée en fac assez traditionnelle, mais libérale, c'est-à-dire qu'on a le droit. C'est la seule fac qui nous... La première fois qui nous a permis de s'habiller comme on veut. Mais il y a certains jours où il faut porter l'uniforme pour la cérémonie officielle. Et ça, c'est l'hypocrisie de cette fac-là. Et puis, j'étais dans cette fac-là, j'ai pu porter l'uniforme féminine, mais c'est toujours dans le cadre binaire. Uniforme soit masculine, soit féminine. Et même la notion de l'uniforme, c'est les trucs de militaire. On a copié la tenue de militaire, tout ça. On veut que les étudiants soient pareils. C'est pas pour égalité, mais c'est pour nous rendre aussi dans l'autre, par exemple. Et je suis toujours contre cette notion de l'uniforme, de la pensée, des habillements, de tout. Et voilà, et donc cette fac-là, même si je suis plus contente, mais il y a toujours le problème parce que je m'engage plus politiquement à l'intérieur de fac et à l'extérieur de fac. Les gens commencent à me détester, tout ça. Et j'essayais aussi de m'éloigner de la famille parce que quand je me suis bousculée dans cette deuxième fac, ma famille veut pas que je sois là parce qu'elle trouve que le fait d'être dans la première fac, c'est déjà bien. C'est comme si je changeais la fac, c'est comme je dégrade la réputation de la famille. Pourquoi il y a quoi comme le problème? Parce que ma famille, elle voit trop le regard des autres. Voilà. Et dans la deuxième fac, là, je me suis éloignée de la famille. J'essayais de trouver le logement par moi-même, tout ça. On ne disant pas à ma famille que où j'habite, par exemple, mais le truc est que je porte plus de fado pour le fado financier, c'est-à-dire que je dois trouver l'argent, je dois travailler. Et avant, je n'ai jamais travaillé parce que c'est la famille qui nous finance comme les autres familles. Et même si on n'est pas très bien payé à l'époque, mais cette fois-là, quand je dois trouver le logement par moi-même, je dois trouver le travail en tant que serveuse devant la fac dans un bar. Et le fait d'être trans, c'est déjà difficile parce que tout le monde me reconnaît comme une trans. Ils m'ont taquiné avec la blague transphobe, par exemple. Et ça ne suffit pas. Et ce n'est pas le salaire, mais c'est comme le SMIC. Chaque jour là, que je carriais, c'était pas suffisant. Et ça m'obligeait aussi, quand j'étais vers primaire, entre première et deuxième année, j'ai commencé à faire le TDS, travail du sexe. Et après avoir terminé le travail dans le bar, j'ai fait aussi le truc de Internet. C'est pas dans le site Escort, parce que là-bas, tu dois mettre tes photos directes. Et voilà, tout le monde peut te reconnaître. Et quand tu fais la politique en même temps, les gens vont te discriminer encore plus. Et on sera détruite politiquement total. Et donc j'ai posté fait l'annonce sur les sites thaïlandais pour chercher les clients là-bas. Et parfois j'ai trouvé les clients, parfois j'ai pas trouvé. Et comme les autres gens qui nous ont dit que oui, le fait d'être TDS, c'est travail facile, on gagne l'argent facilement, mais en fait c'est pas le cas. C'est pas tout le monde, tous les TDS, travailleurs de sexe qui sont dans la même condition. Il y a certaines qui ne veulent pas montrer son visage, il y a certaines qui ne veulent pas montrer son vrai nom, qui doivent se déguiser, tout ça. Et ça, c'est mon cas. Et le cas de très les TDS comme ça, qui ont la condition difficile, confidentielle comme ça, on gagne moins que les autres TDS qui sont clairement sur le site, tout ça. Mais quand tu es dans le site comme ça, c'est-à-dire que tout le monde a l'accès à tes photos. Voilà, et ça c'est quelque chose que en anglais c'est des avantages, mais c'est pas en français, c'est au contraire de l'avantage. Et voilà, j'ai fait la politique, j'ai fait la campagne contre l'uniforme, j'ai mis le poster avec quand j'étais en train de baisser, tout ça, en uniforme,
À la fac, je mets ça sur les mots. Avec les amis, c'est le coup qu'on fait ensemble. On baissait en uniforme et on écrit. Est-ce que baisser en uniforme, ça fait du bien? Mais trop comme ça. Et voilà, et ça élevait les gens de ma fac et la société thaïlandaise parce qu'ils trouvent que. Qu'est-ce que tu fais là? Trop comme ça. Pourquoi on met les trucs sexy comme ça en public? Mais je disais que c'est hypocrisie parce qu'en Thaïlande, on sait très bien que le travail du sexe, c'est très connu et. C'est bien populaire dans le monde entier, mais en même temps, on essaie de dire que tout le monde doit être très modeste, on doit avoir la morale très puritaine, on ne peut pas nous exposer à la sexualité, même si on sait très bien qu'il y a les TDS dans tous les coins en Thaïlande, tout ça. C'est hypocrite de notre société qui essaie de nous prétendre qu'ils sont les moralisateurs, mais en fin de compte, on vit dans la société où tout le monde se baisse. Je dis comme ça et je dis que. Et l'uniforme. Voilà, et l'uniforme, il faut casser parce que ça, c'est quelque chose qui est contre la réalité de notre vie, de notre identité. Et voilà, les gens, ils sont en colère, ils me détestaient, il y a des gens qui me soutiennent, et les gens qui me détestent, ils sont les traditionnalistes. Et voilà, j'ai fait l'uniforme, campagne contre l'uniforme. Et puis, j'ai fait la campagne contre, comment dire, l'engagement politique de ma femme, parce que ma femme, normalement, s'est créée après la révolution démocratique, contre le pouvoir du roi. De la monarchie absolue. Normalement, on a le devoir de soutenir la démocratie populaire, tout ça, mais le recteur de ma fac, il a soutenu le mouvement de chemise jaune. C'est les gens qui sont pour les rois, qui sont pour, comment dire, pour les militaires, qui appellent au groupe d'État militaire, qui veut qu'on soit dans un régime très rigide militaire. Et voilà, ce recteur a. À l'époque, il a aussi aidé à écrire la constitution du coup d'État. C'est-à-dire qu'il a collaboré avec les militaires une fois. Et cette fois, il a fait encore essayer de soutenir ces mouvements royalistes, traditionnalistes, de droite, extrême droite normalement. Et j'ai déjà engagé avec les amis, essayer de faire une action politique. On a fait baisser le drapeau thaïlandais. Le drapeau thaïlandais de comment dire le grand bâton. À notre fac là, il y a le bâton comme ça et on a fait descendre le drapeau thaïlandais et on voulait remplacer le drapeau thaïlandais en drapeau noir. Et c'est le drapeau noir qui pose un problème parce que qu'est-ce que je fais? C'est comme ils trouvent que je suis vraiment contre la nation thaïlandaise et la nation thaïlandaise. Donc le drapeau, ça compose de nation, roi et la légion bouddhiste. C'est le drapeau, ça représente beaucoup pour les Thaïlandais. Et on ne peut pas mettre les pieds sur les drapeaux ou faire comme les Français, brûler les drapeaux comme on veut. Mais là-bas, c'est le délit, le crime. Mais moi, je ne détruis pas, mais c'est juste faire des sons et remplacer ça. Et les gens sont en colère parce que je dégrade le drapeau selon eux. Et je dis que selon notre action, on veut dire que la nation ne veut rien dire qu'on ne sait pas à côté de peu, comme l'université, la représentation de notre université est en train de lutter contre la valeur démocratique et populaire, et c'est pour ça que je veux dire que voilà pourquoi il faut encore mettre le drapeau comme ça, ça veut rien dire. Voilà. Et ils sont en colère, ils essaient de me chasser. J'étais accusée de crime de lèse-majesté aussi parce que j'ai donné l'interview à peu près à une journaliste royaliste que je suis pas contente de ce système monarchiste. Je suis contre la corruption, mais corruption de tous les mondes, pas que les politiciens corrompus, mais pour les rois, la famille. Royal, corrompu aussi. C'est la même chose, c'est la corruption, mais on ne parle pas. On pense qu'il n'y a que les politiciens qui sont corrompus. Oui, ils sont corrompus, mais en même temps, c'est les familles royales, tout ça, qui sont comment dire, exemptes de tous les systèmes de la vérification, système de check and balance. On a jamais parlé de ça. Il y a le crime de lèse-majesté qui nous ne terrorise pas. À parler, à prouver si le roi est vraiment bien ou c'est juste propagande, par exemple.
Et voilà, j'étais accusée de crime de lèse majesté. Et puis en 2014, voilà, il y a le coup d'État. Et puis c'est la raison pour laquelle je dois fuir de Thaïlande.